Yo, salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Ben moi ça va pas mal malgré pas mal de petites galères. J'ai enfin reçu les crash bars, c'était toute une histoire pour les recevoir et tout ça. Mais ils sont montés, je vais pouvoir enfin tester la Yamaha Tenere World Red dans les semaines, ça va être sympa. Let's go! Ah ouais, je suis en train d'essayer plein de trucs sur la moto là que j'ai reçu il y a pas longtemps. Là j'ai un régulateur de vitesse, ça fait un bloqueur de poignée, là j'ai la caméra là, les crash bars, les bagages, enfin je suis en train de tout tester. La tablette étanche, on va essayer de filmer comme ça. Moi j'essaie toujours plein de trucs. Que je suis pas arrivé de lancer quand même. Bon alors. Wouhou! J'adore. Je vais passer là. Oui. Ouais. Ça va alors? Hein? Ça, vous faites le bûcheron? C'est pas comme moto, c'est une Yamaha, mais elle est sortie il y a un mois. C'est une avec le double réservoir. Ah ouais. C'est pour aller en Afrique, je vais faire le tour d'Afrique. Ah, vous allez le faire? J'y vais, là je suis en entraînement pour le tour d'Afrique. Il vous faut beaucoup d'essence. Ah ouais, vous avez combien de capacité là? J'ai 22 litres, mais elle a annoncé 5-6 litres de consommation. Ça fait 450 km. Ouais. Et pour l'Afrique, c'était ouais. Important. Mais celle-là, vous n'avez pas dû encore là beaucoup la voir. Il y a la Yamaha Tenere normale. Mais là, celle-là est vraiment spécifique avec un double réservoir. C'est pas trop mal. C'est le top. Non, là. La ouais. Gueule. Ah oh, ouais, on jette. Sur la route, ça, c'est facile à conduire, mais les chemins, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est sûr. Bon, après, dans du sable, c'est encore pire. Ouais, il faudra les pneus adaptés, tout ça. On va s'entraîner. Bon, bon courage.
trace ça. Là c'est vraiment la trace du TOD. Je réfléchis si avec les valises j'aurais réussi à passer ou pas. Pour l'instant oui. Là c'est de l'enduro. Ah ouais. Je pense que je serais passé mais. Wouh. Enculé. C'est pas propre mais bon, tant pis. Moi je trouve que ça manie bien quand même le World Red. Allez, faut pas que je me casse la gueule en disant ça. Là c'est herbe glissée quoi. Bon, c'était sur herbe. Pour l'instant je ressens pas trop le poids, après j'ai pas les valises là. Avec tout le bardage que je vais avoir quand je vais vraiment partir, ça va être autre chose. Tout le monde est là, ouais c'est bon. Ouais, j'aurais pas pensé qu'il allait me faire passer pour un truc comme ça. Wouh ! Impeccable. Allez. Let's go, la première chute. C'est bon. Ça là quand c'est comme ça j'aime pas. T'arrives dans l'herbe, tu vois pas les ornières. Wouh. Je crois qu'on va essayer de la relever de face. Hop. Hop. Ah ben ça sert le crossfit. Alors les crash bars, est-ce que ça sert? Ça sert, mais ceux d'origine qui est juste là, c'est lui qui a le plus pris. En plus, quand je suis arrivé là, je me suis dit, parce qu'en enduro, je me casse souvent la gueule dans les trucs comme ça, où tu vois pas les ornières. Bon, elle a rien. On est reparti. Par contre, elle s'est coupée toute seule, je sais pas. C'est le truc qu'elle sent qu'elle est par terre et qu'elle se coupe. Cette fois, il fallait bien la baptiser, comme on dit, il fallait bien la baptiser. Au milieu des éoliennes. Ouh, impec. Tout à l'heure, je me suis arrêté aussi. J'ai trouvé un GPS pour la trace du TOT. Pas de fuite d'essence. Oh. Ah ouais. Pourquoi tu redémarres pas toi? T'as fait tac 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 et tu veux pas redémarrer. Ah, ça ne prend pas mort. Ah. Un point mort c'est bon. Hop là, on a pas vu. Il me la met encore. Bien arrivé à destination, la manche, le sourire juste aux oreilles. Ah bon, chouette après, mais là, vous avez mixé terre et route, fantastique, fantastique. Là, la Ténéré, elle a un peu de terre, ça lui fait du bien, ça me rappelle mon DR600 en Nouvelle-Zélande. J'avais pas le même budget, mais j'étais quand même super content.
Là, je me suis payé la moto de mes rêves, j'ai les sourires juste aux oreilles, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fantastique, je l'avais jamais essayé sur terre et au final, vraiment pas déçu de ce qu'elle vaut sur terre. C'est sûr qu'avec le gros réservoir et tout ça, on avait des doutes et tout, mais on sent pas le poids, les suspensions super bien, les Kayabi, l'amortisseur Ohlins, tout va bien quoi. Vraiment, là, je suis à la manche, on est bien quoi. Bon, il me reste 1h30 pour rentrer, mais sinon on est bien par la route à fond. Et voilà, putain, pur kiff, pur kiff, pur kiff. Franchement, ceux qui ont des doutes, qu'ils aillent l'essayer parce qu'elle va vraiment, vraiment bien. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, lâcher un pouce bleu et un commentaire. Sur tous les commentaires, moi, je suis là pour échanger, j'adore ça, échanger. Et voilà, parce qu'il va y avoir plein de vidéos cet été, même dans les années futures. Crois-moi, j'ai traversé la Nouvelle-Zélande avec un DR600. Alors si j'ai acheté cette bête, c'est pas pour rien. Crois-moi, je vais en traverser des trucs. Alors si t'as envie de suivre ça, abonne-toi. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.